nous avons choisi ce soir d'inaugurer le nouvel espace librairie de la FNAC Odéon. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir et à flâner dans les nouveaux rayons de cette librairie, de votre librairie, que nous en avons avec vous depuis 8 ans à partager notre passion pour les nouvelles technologies. Féliciter Richard ainsi que toute ton équipe pour la conception et la mise en œuvre de cette nouvelle librairie au sein de ce magasin qui change de nom. Il s'appelait FNAC Digital, il était dédié aux nouvelles technologies exclusivement et aujourd'hui il est dédié à l'ensemble de l'univers des produits de la FNAC. Et donc je suis très heureux de cette inauguration et de l'ouverture de cette nouvelle librairie. Donc te remercier toi et tes équipes, remercier également toutes les équipes du siège qui ont conçu cette librairie avec vous. Alors une librairie, Marek Alter me le disait tout à l'heure quand je discutais avec lui, il trouvait ça courageux. Il est un peu provocateur de temps en temps, nous on est un peu agitateurs, et c'est vrai qu'ouvrir une librairie de livres physiques, de livres en papier, ça peut paraître un peu saugrenu, un peu incongru au moment où on parle surtout de livres numériques, d'invasion de fichiers, de lecteurs numériques, de tablettes numériques, etc. Et bien nous, à la FNAC, on croit que le livre va évidemment se développer sous forme numérique, mais évidemment également se développer sous forme physique, nous y croyons beaucoup. Et surtout, pour nos clients, nos adhérents, qui nous demandaient depuis de longues années que la FNAC Digital, la FNAC Odéon, maintenant, puisse bénéficier d'une librairie et leur proposer des ouvrages, et bien ce sont plus de 40 000 références qui sont maintenant dans cette librairie, donc qui devient l'une des plus grandes librairies généraliste du quartier latin. Donc j'en suis évidemment très heureux. Et puis je voulais juste terminer en remerciant Marek Alter et Maxime Chatham, qui sont à deux titres différents des grands amis de la FNAC. Je vous remercie de nous faire l'amitié, l'honneur de venir parrainer cette ouverture de cette nouvelle librairie et dédicacer vos livres, vos ouvrages pour nos adhérents. Merci en tout cas à tous de votre présence ce soir et merci à nos deux parrains et merci à Richard et toute ton équipe. Merci. C'est toujours émouvant pour moi d'être à la FNAC. La FNAC, j'ai accompagné la FNAC et la FNAC m'a accompagné il y a 12 ans. Il y a 12 ans, oui. Et j'ai reçu un prix littéraire à Toulon. Toulon était entre les mains du Front National et le maire a refusé de me donner le prix. Et à ma grande surprise, la FNAC s'est mobilisée pour moi. Il y avait des affiches partout, la FNAC a d'ailleurs acheté des pages entières dans la presse en disant là où la parole est confisquée, la FNAC est là pour la rendre au public. Et la direction de la FNAC a même affrété un avion pour amener tous mes amis à Toulon pour montrer qu'un écrivain avec un accent, ben, il fait quand même partie de la littérature française. Et ça, je n'oublie pas, c'est vrai. Et puis, grâce à vous, je viens de connaître Maxime Chatham, et je le trouve formidable. Et voilà, vous voyez, il y a des rencontres qui se font à la FNAC. Et puis, les derniers mots, vous savez, je raconte ça dans mes livres en long et en large. Et un de mes ancêtres, Gabriel Alter, a travaillé avec Gutenberg. Et chaque fois, quand on ouvre un espace au livre, j'ai ressens comme une sorte de joie. Il y a quelque chose qui se passe en moi, il y a quelque chose qui continue, et c'est vrai qu'il y aura peut-être, j'ai même signé un accord pour qu'on transforme mes livres en des livres numériques, mais l'odeur d'un livre qu'on ouvre, l'odeur qui sort d'une imprimerie, ben, ça vaut tous les parfums d'Arabie. Merci.
content, je suis très content et un peu ému d'être ici, puisque il y a 10 ans de ça, je travaillais à la FNAC, j'avais un gilet, à l'époque c'était des gilets verts. Voilà, et d'ailleurs, j'avoue très fièrement, sans honte, que je suis reparti avec mon gilet, il est encore accroché quelque part dans mon bureau. Voilà, j'aurais pas dû, mais c'est un bon souvenir. J'ai passé des moments extraordinaires ici. Alors c'était pas dans ce magasin-là, bien sûr, c'était à Saint-Lazare. Mais ça a été pour moi l'occasion de me rendre compte qu'il y avait... le livre, c'était un élément qui articulait les rencontres, finalement. Entre les passionnés des livres, les libraires, les éditeurs, les romanciers, et puis les lecteurs. Et faire ce métier pendant un peu moins de 3 ans m'a permis de rencontrer tout un tas de romanciers, mais surtout de lecteurs, de gens avec qui j'adorais partager. Quand j'arrivais le matin, j'ai lu un livre formidable hier soir, ça devrait vous plaire. Voilà. On se sent un peu chargé d'une mission formidable quand on a la possibilité de présenter des livres à des gens qui demandent des livres à lire. Et de se retrouver dans une librairie aujourd'hui pour partager encore ça une fois encore, sans le gilet cette fois-ci, mais avec le plaisir qui était le mien à l'époque, ça me rend heureux, très heureux, et je suis heureux d'être là ce soir, et merci de l'invitation. I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Tum tum cha 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 tum tum c